Et hop là. Je pense qu'on y est. Juste, il va falloir que je... Hop. Enregistrer le lien sous. Non, copier l'adresse du lien. Qu'est-ce que je raconte? On va mettre ça sur Discord déjà. Le live est commencé. Joie. Et le lien. Discord, c'est fait. Plus que tout 8 heures. Tout va bien, je vais réussir à faire ce que je veux faire. Non, Twitter, pas Tipeee. Twitter, voilà. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre live Twitch déjà? On continue. On découvre Megara dans ce nouveau stream. Assassin's Creed Odyssey. Salut Darae. Yo, la Grèce antique. On commence sur du lourd, hein, niveau humour. Du coup, bienvenue à toi sur le stream et j'espère que tu vas bien. On voit pas suffisamment le beau Goblin. Le voilà. Ça va bien, merci. Darae. Donc, il me restait, oui, dans ce nouveau stream, Assassin's Creed Odyssey. Et puis on va mettre directement le lien et balancer ça. Voilà. Le beau Goblin. T'es en forme, non, Darae? Oh. Quel beau postillon. Donc ça c'est bon. Oh, Streamerbot m'a retweeté déjà. C'est magnifique. Bon, Twitter, on ferme. Et il ne restera plus qu'à lancer le jeu. En espérant cette fois qu'il bug pas, hein. Je rappelle, on s'était laissé quand même sur pas plus que d'habitude, c'est vrai. Donc ouais, la semaine dernière, on s'est laissé sur un joli bug en fait. Oui, maintenant vous êtes là par contre. J'ai un peu changé mon setup vu que le micro est bien plus... mon nouveau micro. Et bien plus gros que le précédent. Du coup, j'ai un peu changé mon setup et vous êtes là maintenant. Avant, vous étiez là. La différence. Voilà. Du coup, est-ce que ça s'entend quand même le micro qui a changé? Parce que je sais que l'autre, il était en fin de vie, mais c'est surtout que, comment dire, il commençait à rendre l'âme dès qu'on l'utilisait sur une période. Dès qu'on l'utilisait beaucoup, en fait. Ah, par contre, c'est temps d'attente. Enfin, de chargement plutôt. Ah, j'ai pas pris à boire, merde. Est-ce que tu m'autorises du coup? Pour l'instant, je crois que t'es tout seul. Ah, allez, je me cherchais à boire. Eh ben, oui, tu m'autorises. J'en ai pour 3 secondes. Voilà.
Je suis revenu avant même la fin du temps de chargement. Si ça, c'est pas fort. Je suis recherché. Alors, le plan, c'est quoi, là, maintenant? Voyons voir. Salut Yupsi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et bienvenue sur le stream. Donc, nous avons Barbe Rouge qui est niveau 11 ici. On va essayer de l'éviter. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Monia la tueuse d'Hoplite s'en fout complètement. Vous voyez, un tableau d'affiche ici. Il y a la vérité, une mission d'Odessa. Un mercenaire qui est abordable, mais on va pas chercher la mer pour l'instant. Ah, il y a un... Ah, mais ça, je l'ai fait. Donc, en gros, là, ce que j'ai à faire, c'est... Ça. Ça, on est d'accord que je l'ai fait. Hein. Je peux me déplacer rapidement. Donc, bah voilà. En gros, il y a cette mission, là. Ça, c'est quoi? C'est un autre tableau d'affichage, d'accord. Et il y a des lieux non explorés par ici. Sachant... Situation de nation affaiblie. Le dirigeant s'est isolé de la ville. Ouais, il va falloir vraiment que je fasse tout, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de l'affaiblir au maximum et au maximum avant d'essayer de l'affronter. Déjà que je suis pas très doué, alors si en plus je l'affaiblis pas avant, ça va être un peu la merde. Mais du coup, on va traverser la ville, on va essayer de se faire cette mission-là. Enfin, d'abord, je crois que je vais faire d'abord le lieu. Je vais faire le lieu et ensuite on va se faire la mission. Ok, ok. Va falloir vite que je rentre, non? Putain, il est là-bas en fait. Il a l'air de venir par ici d'ailleurs. On va passer par les remparts. Parce que sinon je suis pas rassuré. Oh. Des arbalètes géantes, d'accord. En espérant que le jeu plante pas cette fois du coup. Ah, le fail que c'était quand même la dernière fois. C'est là. La demeure de dirigeant. Nouveau lieu. Tuer le capitaine. Brûler les ravitaillements de guerre. Trouver l'os, dragon et énigme. Et piller les deux trésors. D'accord. Oh oh. Bah écoute. Moi je dis. Ce genre d'ennemis. Ces ennemis là, comment ils sont placés? Ah! Ces ennemis là, de comment ils sont placés en fait, c'est très risqué de les garder en vie. Parce qu'ils peuvent nous voir de loin et nous toucher de loin. Alors. Je crois qu'il va falloir que je fasse appel quand même à Icaros. Oh. Ah, l'ostracon est là-bas. Un ravitaillement ici, un là, parfait, je les ai tous. Un ennemi, un trésor. Il me manque encore un truc là. Hein? Un trésor ici, d'accord. Pourquoi pas? C'était bizarre, là il y avait une flèche encore. Bon. Bon, on a déjà pas mal de taf avec ça. Hein? 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 Ouais, un autre lieu quoi.
Bon. Souhaitez-moi bonne chance. Putain, en plus, dans cette demeure-là, il y a un chasseur de primes qui se balade au calme. Bon. Merde, il y en a encore un ici, sur le rempart. Ah ouais, le cadavre t'a pas trop dérangé, hein, a priori. Bon, ça c'est bon. Je vais devoir être prudente. L'endroit Sans est deck. dangereux. Bon, tu te démerdes. Mais... Bon, ça c'est fait. Par contre, lui... Oh merde, y a machin qui arrive. C'est bon. Je sais pas comment poser les trucs, les cadavres, pardon. Autrement que par l'esquive. Aïe aïe aïe. T'as fini de faire des tours sur toi-même? C'est quoi ce pattern? Ce mec est fou. Oh. Désolé. Faut... Ah! En fait, ça va, ça re... Oups, non, non. Ça revient en fait. Sauf que le truc qui me fait un peu flipper, c'est que si ça se trouve, il va y avoir ces potes qui vont se... Aïe, ramener. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça passe pour l'instant. En fait, il est assez lent. Aïe. Oh, par contre, il frappe fort. Un peu, quand même, hein. Non mais par contre j'aimerais bien que tu le vises, voilà. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Voilà. Ah putain, j'allais dire une connerie, j'allais dire... Pour l'instant c'est moi qui ai l'avantage. Parfait. Sauf que non. En fait, pas du tout. Aïe. Oh putain, désynchronisation, voilà. Hop. Et bien pendant le combat, il y a des gens qui sont arrivés. Coucou Mother et coucou... Coucou Makuso, j'espère que vous allez bien tous les deux. Bienvenue sur le stream. Mes pissenlits. Je joue au niveau Tetris Effect sur PS4. Je sens que je savais pas qu'il y avait un Tetris qui était sorti sur PS4, tu vois. Il y avait des jeux Tetris que j'avais beaucoup aimé, notamment le Tetris DS. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Tetris DS ici? Il y avait plein de modes différents et vachement originaux en fait. Et Idol est là aussi, coucou Idol, j'espère que tu vas bien aussi, bienvenue. Mieux que ton perso. C'est pas très gentil. Oh putain! Ça va, les gens se sont rendus compte de rien. Je suis un chat.
Est-ce que du coup j'essaye de faire les trucs sans m'attirer la colère de Miss Clore là? Non, juste Tetris sur Game Boy Color. Ah, j'ai jamais eu le Tetris sur Game Boy. Enfin, après, moi j'avais. C'est une. On est d'accord que c'est lui, hein, le. C'est moi la reine de la discrétion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Un charolatan. Un charolatan. Oh mon dieu, un charolatan. Je viens de comprendre. Aïe, non, non, tu m'as pas vu. Oh, oh. Non, non, tu m'as pas vu non plus. Ouh! Aïe. Attention. Je m'attendais pas à réussir. Aïe. Mais. Pourquoi j'ai frappé dans le vide? Wesh. Nul. Bon. Mais, je veux avoir ma réponse. Est-ce que vous avez une différence au niveau du son par rapport au stream précédent? Quand même, question importante. Enfin, moi, je trouve que c'est important, en tout cas. Non, le son point. Pas très gentil. Si tu as le coup de pied spartiate, le faire pour le faire tomber, il perdra de la vie. D'accord. C'est bien comme ça, je trouve. D'accord. C'est cool. Bon. Le coup de pied spartiate, oui, je l'ai normalement. Ah. Chasseur de primes à proximité, non, jure. On va pas y aller tout de suite. Oh, l'étoile de mer, on appelle ça. Ta voix suive est toujours aussi. Tant mieux. Oui, j'ai regardé le micro à la place de regarder la caméra, je sais. Ça va, l'impression que c'est mieux. Bah, après, c'est surtout par rapport à mon ancien micro alors qu'il avait beaucoup servi. La différence. Oh, non. Mais non! Aïe. Non. Désarme-moi ce bouclier, merci. Oh oh. Aïe! Hop, attention. Voilà. Bon, il y en a un de fait déjà. Mince. Oh,
Attention. Ah, je l'ai esquivé pile au bon moment. Oh là. Il a 60 mètres le patron. On va essayer de pas trop se montrer, hein. Surtout que j'ai pas encore beaucoup de vie. Après, avec ton arc, tu peux le dégommer de loin. Ah, c'est vrai que j'ai un arc. Très juste. Oh oh. Quelle est cette tenue? Enfin, mais il y a deux chasseurs de primes, quoi, dans les environs. Arrivé à un moment, faut se calmer un peu, non? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée ce que je suis en train de faire. Allez. Si je fais comme ça. Ouais. Ah! Pas foufou. Pas foufou comme peut-être pas comme idée, mais comme mise en place de l'idée, c'était pas foufou. Je me suis pas fait voir, hein. Non. Moyen. Le truc, c'est qu'il faudrait que je réussisse à en attirer qu'un, en fait. Ah, truc à récupérer ici, attends, voilà. Écoutez, là pour l'instant ça a l'air plutôt relativement safe. Toi, t'as pas l'air de combattre. Moi je te dirais, je pille, hein. J'ai déjà tous deux marqués ou pas? Ah? Oh oh. Oups. D'accord. Il eût été préférable de se cacher avant. J'ai quasiment fini le jeu, j'en suis à 87% et level 56. Mais, félicitations à toi. Moi, j'en suis encore très loin. Et je suis assez nul, en fait, à Assassin's Creed. Je pense que ça s'est vu depuis quelque temps. Bon bah ça va être hop là, par derrière, attaque discrète. Oh putain, ça lui a tellement rien fait perdre. Aïe. Putain, il a de la longe lui. Hey, qu'est-ce que tu fais caméra? Wouhou. Non. On évite. Ouais, mais tu te calmes. Mais Cassandra, tu m'expliques pourquoi t'as rien fait alors que j'appuyais sur le bouton? Sauf qu'il peut parfois. Ouais, mais enfin celle-ci. Celui-ci, il a que. Celui-ci ou celle-ci, je sais pas. Mais n'avait qu'un niveau de plus que moi. Je pensais vraiment pouvoir me le faire, quoi, si tu veux. Surtout que là j'ai perdu la moitié de ma vie, plus même d'affilée. J'aurais bien aimé quand même le battre. Wouh!
fuyez, pauvre folle. Fuitez même. Ah, j'aurais pu me le faire. Deux chasseurs de primes me traquent. Surtout qu'il y en a un. Même le plus fort d'ailleurs, le plus fort, il faut que je me le fasse, quoi. Oh. Bon, ça c'est bien, leur mort à eux, elle a été sauvegardée. Oh putain. Ah, le voilà. On est d'accord que c'est lui le maître des lieux, là. Mais franchement, lui, je peux me le faire. Hein. Les pouvoirs sont ultra nécessaires en bas level, surtout contre les mercenaires. Oui, mais justement... Oups. J'ai voulu m'en faire un. Et il m'a pas laissé. Qu'est-ce que tu fais? Ma foi. Hop. Aïe. Je sais pas pourquoi j'ai pas réagi. Voilà. Allez. Oh merde. Ah ! J'ai comme l'impression que je me fais gnagnagna par derrière. Oh putain. D'accord. Ok. Très bien. J'ai les deux pour le... Ah ! Je croyais juste avoir un bête archer derrière moi, en fait, surprise, c'était l'autre chasseur de primes, quoi. Tout va bien. Tout va bien. C'est chaud un peu. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je gagne des niveaux avant, en fait. Au moins, eux, ils seront niveau 10, 10 et 11. Moi, je serai niveau 10. J'aurai un peu... J'aurai pas l'avantage, mais... Pas très loin, quoi. Tu peux payer la prime via la carte si c'est trop dur. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais ça ferait un peu... échec. Si j'ose dire... Ou alors je le fuis, tout bêtement. Mais oui, mais par contre, il faut quand même que je batte. Après, effectivement, je peux. Ce que je peux faire, c'est battre. Enfin, c'est payer une prime et battre Monsieur Niveau 11. Bon, moi je veux bien, mais... Ah, mais... Les trucs qui sont plus marqués, c'est pour ça que je les trouve pas. Ah, voilà. Ah non, le capitaine en fait il est là. Faire des mini-quêtes. C'est show must go. C'est un peu l'idée. Oh putain, on peut même pas lui sauter dessus quoi.
Est-ce qu'on peut passer par l'intérieur? Je me sens totalement en sécurité. Gant de chasseur niveau 10, ok. Qu'est-ce... Ah. Prétendant Mordo Odessa, je pensais que Praxis progressait avec Odessa, mais je me trompais, je sais que c'est à elle qu'on doit sa mort. Maintenant, il va falloir trouver un autre prétendant. Ah, c'était un objet de quête, ok. Mais j'ai pas encore eu la quête associée en fait. Attends. On va tuer des gens. Ça me facilitera la tâche. Parfait, les trésors c'est fait. Regardez, il est là. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé. J'ai hâte de pouvoir passer. Allez, encore un petit meurtre discret ici. Et là, voilà. Wouh! Et on va fuir dans les bosquets, dans les fleurs. Ok, bon. Alors là, on a... Ah non, la demeure de dirigeant, ça indique pas les endroits où il y a des trucs à brûler. Un là, il y en a un là. Par contre, pour la suite, je sais pas. Bon, on va déjà faire ces deux-là. Ah ouais, putain, par contre, ils ont trouvé les cadavres. Ok, je suis désolé pour les mouvements de caméra à tout va, mais là, faut bien. C'est pas moi. Je suis encore en bas, on va arriver en haut. Faudrait peut-être que je change, voilà. Kalten est une belle plante au milieu des fleurs. Merci, merci. Je viens de me rendre compte que Cassandra et Kalten, ça commence pareil. Oui, je... Ça sert vraiment de savoir ça, n'est-ce pas? Alors, attends. Ah, l'ostracon est ici. Ah, mais j'ai les deux, là. J'ai les deux icônes en vue, des deux derniers trucs à récupérer. Là, par contre, j'ai juste moucheron de merde. Récupérer l'ostracon, je l'ai vu par là. Ah, il est là, c'est bon. Une étrange requête est apparue afin d'éliminer des archives. Ne voulant pas d'ennui, j'ai fait un petit voyage à l'ouest vers les monts Ganeya. Plonge au cœur de la baie, tu les trouveras sur une étagère dans une ruine engloutie. Giranea, je... Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. On est d'accord que c'est ici. Ouais, c'est ça. C'est dans l'abbaye ici, en fait. Ok. De toute façon, là, je pense que je finis ça. Je visite... Il y avait un lieu à visiter juste à côté. Je visite ici.
Après, là, il y a des mercenaires, mais on s'en fout. Barberousse, il ne veut même plus de nous. Là, il y a trois lieux, et ensuite, on ira sur les monts Guéranéa. Voilà. Oui, c'est le cas. Votre prénom commence par K. Ouais. Le premier qui dit ça fait caca, ça va aller très mal pour lui. Alors par contre, là, va falloir être astucieux. Aïe aïe aïe, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Oh. Est-ce qu'il y aurait le feu des fois? Du coup, je me sacrifie, ça fait caca. Quelqu'un pour bannir Darae. Ah non, mais en fait, c'est à l'étage du dessous. Mince. En fait, c'est à cet étage-là. Je crois qu'il y avait une flèche. Domaine d'Odessa. Son domaine est indispensable à notre projet. Il faudra peut-être bientôt prendre des mesures plus drastiques. C'était quoi déjà la quête d'Odessa? Fallait trouver des preuves ou un truc comme ça? Je me souviens même plus de sa quête à l'autre. Ouais, non, je... Ah, peut-être dans Univers et personnages. La vérité, voilà. Trouver les indices reliant le dirigeant à Odessa. Voilà. Le dirigeant conserve ses objets de valeur dans sa demeure bien gardée. Bien gardée, ouais, je dirais ça comme ça, ouais. T'es pas obligé de venir, hein. Bon, donc le dernier truc, il est en bas. Faudrait que je trouve encore de quoi descendre d'un étage. En fait, il faudrait rentrer par l'intérieur de la demeure. Le problème étant que le jardin, j'ai l'impression que c'est l'endroit le mieux gardé du truc. Il est derrière le mur là, on est d'accord. Ouais, c'est bon. Et non, allez! Hello! Ouf! Bon ben, parlant de plantes, quelle est la seule plante qui n'a nul besoin de terre pour s'épanouir? Je sais pas. Makuso. Alors. Maintenant, où est-ce que je vais? Donc ça, c'était la demeure du dirigeant. D'accord. Maintenant, on va sortir de la ville et on va visiter les trois lieux qu'il y a juste à côté. Et ensuite, ce seront les monts Guernia. Alors, étant donné qu'on est déjà à la moitié du stream, je sais pas si on va vraiment finir les monts Guernia aujourd'hui, mais écoutez, on va au moins essayer.
sanctuaire d'Athéna. Avec un panneau d'affichage ici. Très bien. Temple militarisé d'Athéna. Oh oh. Oui, pardon, 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 pardon. Oh là là, ça rigole pas. Ok. Tuer. Alors là, il y a un capitaine à tuer et un trésor à piller. D'accord. Faire gaffe parce que voilà, il y a Hyrcanos le rusé. Il est niveau 9, donc on peut se le faire et en plus on a une mission. On a une quête où il faut le défoncer. Et non, reste, elle est potable. Oui. On est d'accord que là, on a le chef. Temple militarisé d'Artemna et le coffre. Et c'est tout ce qu'il y a à trouver ici. Oups. Ce fut une idée de merde. Bon bah écoute... Ah, ça vient. Je m'occupe de vous. Oh, bœuf. Allez! Quoi? D'où que toi, tu as survécu? M'explique? Non, mais... Fuyard. Voilà! Par contre, va falloir que je me... Attention, voilà. Enfin, voilà. J'en suis encore loin, j'ai déjà... Oh, putain. Ok. On va se barrer. Je suis parti sur de mauvaises bases. Attends, parce que là, on a quand même un mec. Aïe. Non, non, d'accord, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Ouh. Aïe, en plus, je me fais mal en tombant, quoi. Va bien. Oh putain, il y a... Tombeau d'Alcatos. Très bien. Sauf que maintenant j'ai un peu de chasseurs de primotrousse. Et j'ai pas envie de perdre mon fric. Attends, quoi? J'ai eu un nouveau lieu là? Le tombeau de... Ah, ben le tombeau, justement. C'est ça le tombeau? Il y a juste un coffre à récupérer. Non mais... Ah, voilà. Bon, je suis désolé, hein, mais... J'ai pas fini du coup. Ah non, c'est trouvé la stèle ancienne. Mais bah oups. Ah non, c'est par là en fait. Pas très au point votre lumière. Faut pas pousser ça ou un truc comme ça. Ah, je me disais bien qu'il y avait un endroit où ça allait se gnigner. La déesse Kaltena. Ouais, j'aime bien le DS, c'est pas mal. Alors. Oh putain! Chut! Couchez! Putain, maintenant on a des serpents, quoi.
comme l'impression qu'on arrive au but. Quoi ce plan de caméra? Sale bête, ouais, t'as vu? Incroyable. Je sais absolument pas ce que ça a permis de faire. Oh putain. Oui, je mets le feu au coffre, tout va bien. Bon, je continue à explorer un peu, mais... Oh putain. Mais ils me surprennent à chaque fois, ces merdes là. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que je, en temps normal, moi, les serpents, ça me dérange pas tellement. Et là, je sais pas, ça fait 3 qui me... Enfin, ça me dérange pas tellement. Si je tombe face à face avec un serpent, disons que je vais pas être rassuré non plus, mais bon. J'ai des phobies un peu plus contraignantes que ça. D'accord. Ok, merci d'être passé. Bon. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour, j'ai l'impression. Comme quoi jamais 203, c'est ça. A priori, il n'y en aura pas d'autres, c'est déjà ça, comme consolation. Et j'ai perdu un chasseur de primes. Et ça, c'est appréciable. Bon, j'ai un peu saccagé, mais m'en tenez pas trop rigueur, hein. C'était pour la bonne cause. Qu'est-ce que... Attends, qu'est-ce qu'il vient faire là, l'autre? C'est une blague. Mais c'est une blague. Besoin de lumière? Non, en ce moment, non, j'ai besoin d'obscurité, justement. On dirait qu'il repart. Mais c'est énorme. Bah, du coup, merci. Merci beaucoup. Et bah déjà, bah, je te redis merci beaucoup parce que c'est quand même un gros don. Bravo, je sais pas absolument pas comment réagir. les stèles anciennes te filent un crédit pour un pouvoir. Ah! Donc ça veut dire que j'ai un crédit supplémentaire? Et d'ailleurs, toi, 20 euros de don, du coup, ça. 20 euros de don, ça te donne accès à 20 tickets pour le tirage au sort, pour gagner machin là. Pour gagner lui. Oula, il va se sentir mal, ça y est. Hop là. Non, reste avec nous, Bokoblin. Donc voilà. Du coup, n'hésite pas à... Typiquement, enfin, dès que je parle ici, alors vous êtes là. Aïe. Un groudon. Pourquoi un groudon? Sauvez ce Bokoblin, c'est épais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là. Ça y est, ça m'a perturbé ton nom. C'est Yanouche qui va pas être content, c'est vrai. mais voilà, tant que j'y suis, si jamais vous faites des dons, vous donnez des bits, vous abonnez et que du coup ça vous donne accès à des tickets de tombola pour participer
fin décembre ou même les prochains, n'hésitez pas ensuite à me filer votre adresse en privé, soit sur Discord, soit sur Twitter, sur Twitch, enfin sur Twitter aussi, remarque, comme vous voulez, histoire que si jamais vous gagnez, j'ai pas à vous courir après ensuite. Groudon, ah d'accord, oh là là, non mais vous partez trop loin pour moi des fois, hein. Ah non! Ah non! Oui, alors par contre, l'arbre, c'était pas nécessaire. Voilà. Hein? Save the book, oublie. Je n'aime pas le mot bits, sachez-le. Oui, en plus. À la base, le terme plus précis, pourrons-nous dire, c'est faites des cheers, mais pas donner des beats. Mais en vrai, je l'ai fait pour toi surtout, pas pour le tirage au sort. Bah, c'est d'autant plus cool, mais je t'en remercie d'autant plus, Macuso. C'est super, 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 super. Tu casses autant de super que tu veux, gentil. Mais du coup, justement, enfin, le tirage au sort, c'est. Après, moi, je le vois pas comme un but en soi, si tu veux. C'est juste une manière de remercier du soutien de financier de la chaîne, en fait. À la base, c'était pas non plus pour attirer les dons, mais surtout pour dire bon bah vous me donnez quelque chose, je vous donne quelque chose en échange aussi quoi. Ah! Aïe, fouille, fouille, fouille. Tu viens me voir? Ou pas? Tiens, voilà. Oh, t'as gâché ton super coup, c'est dommage. Alors, par contre. Ah! Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Oh, c'était nul ça. C'était tellement nul. Putain, ma vie est si basse qu'on dirait que le jeu a planté, quoi. Pour Mother avec une carte 21. Oui, c'est vrai d'ailleurs que il faut que je pense à la faire cette dédicace. J'essaie de faire partir ton lot samedi. Vu que c'est le seul jour où je peux me rendre dans une poste dans la semaine. Bah. Mais j'ai voulu faire le truc en discret. Wouh! Non. Tu es encore beaucoup trop proche pour moi. Aïe. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas vous affronter tous les deux ensemble, hein. Comment dire que je tiens à la vie? Bah ouais, mais enfin, disons que ça fait déjà une vingtaine de jours plus maintenant que je dois te l'envoyer, le bouquin, Mother. Ils sont pour te remercier de la part de tout le monde, ton bon être, ta bonne humeur et ta proximité avec nous. Bah, comme gif, hein, je fais ça par plaisir en fait. Après, c'est vrai qu'il y avait un moment qui était assez difficile du fait que, à un moment. Enfin, comment dire. Je fais souvent référence à ce moment-là, c'est vrai. C'est le moment où je faisais souvent des streams tout seul en fait. Il y avait quasiment personne qui venait. Et là, ça avait été dur
dure en un sens parce que bon, ce qui est bien dans un live, c'est qu'il y ait de l'interaction et compagnie. Et bah, du coup, faire un live tout seul, pas d'interaction, bon, autant faire des let's play en différé, quoi. Mais là, maintenant, depuis quelques temps, vous êtes super nombreux sur... Enfin, super nombreux à mon échelle, mais pour moi, c'est super nombreux sur la chaîne. Et ça m'emplit de joie. Allez! Oh oh! Ah non, d'accord, il est là. Je croyais qu'il avait déserté. Putain, mais... Allez, on va un peu l'attaquer. Hop! Hop! Ah! Ah! Attends, j'ai envie de l'empoisonner et de m'en aller. Voilà. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Comme ça, j'ai pu fuir. Ouh! Il est passé où? Ah, il est passé là. Vas-y, si ça se trouve, je vais pouvoir le réavoir encore. Oui? Oui, non? Oui, non? Non. Bon, en tout cas, pas avant qu'il me voie. C'est pas grave. Hop. Yes! Oh oui! Oh, il est tombé comme une merde! Oh là. Au revoir. Ah merde, c'est... nager c'est peut-être pas la bonne idée, par contre. Il me repère plus. Non, c'est bon, il me repère plus. Parfait. Je vais pouvoir retourner, je sais pas où, dans sa maison, quoi. Petite communauté, mais beaucoup d'amour. Bah oui, c'est quand je vois, en fait, ce qui me fait super plaisir au niveau de la communauté, c'est quand je vois à quel point la communauté est... Enfin, pour le nombre de personnes qu'il y a, l'activité qu'il y a sur typiquement le Discord ou sur les lives, c'est dingue, quoi. Et ça me remplit de joie aussi. Je vous aime. Enfin, je le dis de manière « Oh, je vous aime !» Mais c'est même si je dis de manière qui se veut un peu rigolote, je vous aime vraiment. Ah ! Ça va, il fait nuit, wesh. Vous me voyez pas, là. Loot ton stuff, vrai conseil. C'est qui est ? Merde. Mais non. Oui, d'accord. Oui, j'ai toujours pas mon jeu à jour. Ouais, mais lui... Ah ! Ça peut être sympa, ça. Je savais même pas que je l'avais. Sinon, quand tu dis loot ton stuff, c'est... Parce que moi, looter, c'est dropper, quoi. J'ai un peu de la terminologie. Putain, de la terminologie qui m'échappe. Il emplit de joie ce Kalten. Katen. Ça fait un peu catin, hein, là, comment tu l'as écrit. Le stuff du mercenaire aussi que... Oh putain, oui, mais oui, d'accord, oui. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Évidemment qu'il faut que je fasse ça. Je vais juste voir si jamais je peux pas m'équiper de trucs niveau 9. Ça, c'est moins bien. Ah, j'ai pas grand chose. Niveau 8, j'ai difficilement quelque chose de mieux. Ok. Va falloir que je revende des trucs aussi, hein.
Récup le loot du coup. Ouais. J'avais oublié et de récupérer le loot, effectivement. Par contre, du coup, il est où? Il est par là. Ah oui, mais il est en contrebas là. Oh putain. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Parce que du coup, il est tombé. Il est tombé, je sais plus exactement où. Bon, il y a personne, personne me voit. Attends, là il va vraiment falloir que je me remette l'endroit où je l'ai tué. Là c'était pas là, c'était plus par là-bas. Ça on est d'accord. T'as monsieur niveau 11, il me lâche pas hein, par contre. Ouh. Il est pas tombé par ici? Si, 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 si. Voilà. Et merci de m'y avoir fait penser, du coup. Parce que j'avais complètement oublié. Je fais une faute de frappe, ça tourne mal. C'est vrai. Ah, c'est pas ma faute si ça fait catin quand t'enlèves le L, quoi. Ah ouais, mais c'est une autre arme que j'ai récupérée, je crois. C'est ça que j'ai récupéré, la dague d'Irkanos, mais du coup elle est moins puissante. Oh! Est-ce que je réessaye de le battre? Oh, au moins là, c'est bon, je serai débarrassé quoi. Oh, par contre. De nuit, ça va pas être terrible. Ou alors, va falloir aller dans un endroit un peu plus éclairé. Allez, par ici. Non, mais parce que c'est vrai que. Bon, je m'en étais pas. Enfin, je trouvais en tout cas que je m'en étais pas trop mal sorti contre lui, en fait. Là, suffit de spammer en fait. Tiens, voilà. Et s'écarter quand il s'apprête à nous donner un coup en plus. Il fait toujours le même coup, il nous balance qu'un seul coup. Voilà. Putain, je le trouve complètement bidon celui-là en fait. Non mais dites-moi qu'il n'y a pas que pour moi qu'il est facile. Je galère comme un porc pour les combats en général. Et là, un mercenaire qui a deux niveaux de plus que moi, c'est un peu la facilité extrême quoi. Et un peu, voilà, il brûle. Donc son attaque est réduite de moitié bien sûr. Et il perd des dégâts chaque tour. Enfin il a des dommages chaque tour. Perd des PV chaque tour, voilà. J'ai pas perdu de vie d'ailleurs. Ou alors je l'ai regagné. Bon, par contre, la massue Atlante, je peux pas encore l'équiper. Quoi, encore un nouveau mercenaire? Les dagues sont les meilleures armes versus les gros bras. Chaque arme a un counter particulier, d'accord. Faudra voir alors. Peut-être que je les testerai pas du coup dans ce live. J'aurais bien envie de garder l'épée encore un peu, mais on verra ensuite. Donc, maintenant, ce lieu ou cette mission.
Ah, j'ai pas. En... Ah ouais, c'est ça, il faut encore. Bah... Je suis un peu sur place. Tiens, Icaros, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'éclairer sur d'autres preuves? Parce que c'est ça le truc, en fait. La mission, c'est explorer cette bâtisse jusqu'à avoir toutes les preuves que veut Odessa. Voilà, j'ai comme l'impression que ce sera pas tout à fait ça, ce que je veux. Bon, tant pis. Je pense que je vais refaire un tour. Après, tu fais comme tu le sens. Ben, j'essaierai sûrement. De toute façon, c'est comme un peu à la Monster Hunter où, ben, pour, enfin, j'ai l'impression pour vraiment trouver l'arme qui te plaît et l'arme avec laquelle t'es à l'aise. Bon, bah, ben, faut tester, quoi. Y a pas de secret. Ouais, y a pas de preuve ici ou quoi. Ramasser. J'ai l'impression d'avoir complètement, mais alors complète. Oh! Complètement oublié le fait que accessoirement j'ai pas à être là. Prétendant d'Odessa, Patemon sera un excellent parti pour Odessa. Sa famille est loyale à notre cause et il saura manier Odessa comme nous le désirons. Oh mon Dieu. Nous avons fait une mauvaise rencontre récemment. Odessa a engagé Xénoclès, la hyène, pour se protéger. Il a été tué, mais ce mercenaire m'a coûté de nombreux hommes. Exactement, au final c'est un vrai RPG. Bah oui. Ben, de toute façon, avec toutes les mécaniques de RPG qu'il y a dans ce jeu, c'est difficile de le nier. Et d'ailleurs, pour information, enfin, fun fact, j'ai envie de dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, quand on rentre le nom du jeu sur Twitch, donc Assassin's Creed Odyssey, on a le tag jeu de rôle qui se met automatiquement. Du coup, je trouve ça drôle. Il m'en faut peu, je sais. Donc oui, il faut que je retourne voir Odessa, c'est ça? Pacifiste, naval, d'accord. Bon, Odessa, on va la voir plus tard. Peut-être pas ce soir d'ailleurs. Parce que l'air de rien. J'ai pas trop envie de déborder sur les horaires pour ce soir. Là, je vais surtout faire les lieux. C'est une mauvaise idée de sauter d'ici, je suppose. C'est bon, ça a rétréci un peu la chute de sauter sur le côté. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir. J'avoue, c'est peu habituel pour un Assassin's Creed. Alors, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de ça dans Origins. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas. Par contre, pour les autres, je t'avoue que j'ai très rarement joué à des Assassin's Creed avant ça. J'ai un peu joué aux deux, j'ai un peu joué aux trois, mais bon, c'est tout quoi. Alors, cette fois, le capitaine, on va se le faire. Vas-y, j'ai battu Hyrcan. Mais non, j'ai pas battu Hyrcanus, c'est mauvaise idée. Attends, j'ai battu Hyrcanus ou j'ai pas battu Hyrcanus? Il me semble que je l'ai battu, non? Mercenaire. Hyrcanus le rusé, vaincu, voilà. Avec Barbe Rouge qui est là. Vous êtes mauvais. Et non. Képhalon l'esseulé. Ah, c'est lui que j'ai découvert. Et là, par contre, il y en a deux autres qui me font pas flipper du tout. Alors, voilà, il y a l'air d'y avoir personne pour le coup, pour l'instant. Allez, on essaie de faire ça vite. Oh oui, je peux l'assassiner en un coup, parfait. Et maintenant, piller les trésors.
de Kellogg's. Oui, j'ai fait cette blague, j'en suis pas très fier, mais c'est comme ça. Bon, je veux ça. Voilà. C'était juste de l'argent. Pour l'instant, je suis vraiment en mode Picsou, hein. J'accumule beaucoup d'argent, je veux pas le dépenser et je dépense rien. Voilà. La bande à Picsou. Je n'ai pas joué à Origins. Il est bien, je dirais oui. En fait, pour le coup, je le prends vraiment comme un coup d'essai pour Odyssey, en fait. Parce que... l'Égypte ancienne, le désert... Enfin, il y a des gens qui gueulaient beaucoup sur... sur Breath of the Wild parce que la carte elle est vide et puis il n'y a rien à faire et puis voilà, ce que déjà je trouvais faux à la base, mais alors ces gens n'avaient pas joué à Origins, hein, parce que je veux dire, à part les villes, tu n'as rien, mais alors rien. Alors je me suis bien amusé dessus, ça c'est clair, mais je sais que tant que j'ai Odyssey sous la main et que je ne l'ai pas fini, il y a très très peu de chances pour que je retouche Origins. Je l'avais pas fait, je m'en serais chargé. J'ai fait quoi comme blague là, Picsou? Un appuyant sur carré sur. Tu peux descendre tranquillement les murs, d'accord. Ça m'évitera de me briser le cou à chaque fois. Merci. Je crois que le dernier lieu que je veux voir, il est par là. Hein. Attends, je vérifie. Et donc pas Redin, sachant qu'ils font pas mal de mages. Ouais. Kellogg's. Je sais pas pourquoi, elle m'est venue comme ça spontanément, alors que ça fait depuis le début qu'on répète ce mot, trésor. Pardon. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça. Nouveau lieu découvert. Ah, c'est peut-être pas une tanière de... Ah non, c'est des brigands. Je me disais, tiens, ça doit être des... un repère de bêtes. Comme bah, pour le premier, en fait. Cet endroit sera en alerte. Non, pas du tout. J'aurais dû envoyer Karos avant. Je suis caché. Oh mon dieu. Donc là on a un trésor. Là on a... Ah ouais, un bon paquet de brigands. La tablette ancienne. Ah, c'est lui le chef des brigands. Plier le trésor, libérer le prisonnier. J'ai pas le prisonnier encore. Ah, ça doit être par là qu'il est. Ah si, il est là, ok. Ah ouais, mais en fait, c'est une grande zone. Enfin, une grande zone. On peut exagérer, mais... Oh oh. Alors... Putain, merde, il est en alerte. Il y a quelqu'un ? Mais ils se surveillent tous les uns les autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi ? Voilà ! Je pensais pas que ça allait passer, vous voyez ? Mon précieux. Ma pression, moi. Moi aussi. Ma pression. Putain, j'avais jamais pensé à cette blague. Merci, tu viens de me donner une blague, je vais la réutiliser. Mes proches connaissent mon amour de la bière.
Putain, j'ai tellement l'impression de leur mettre vraiment, je sais pas, un truc dans le cul, quoi. Attends. Ça c'est fait. Ah putain, lui il est en. Il est en alerte. Ah mais oui. Ah non. Aïe. J'ai mal. Aïe, j'ai encore mal. Voilà. Bon, par contre, j'espère juste qu'il a pas averti ses copains. Surtout que l'autre, là, il est en train de courir. On remarque qu'il va bientôt me lâcher la grappe. Normalement. Si je fais pas de conneries. C'est écrit sur un t-shirt de mon père. Ton père a un t-shirt très cool qu'il faudrait que je me procure aussi. Moi, j'ai un t-shirt avec une bière aussi. Enfin, une chope de bière qui sourit en disant « I'm the reason of your life ». J'aime beaucoup ce t-shirt. Perso, Corsander Cruz. J'aurais du mal à choisir un... J'aurais du mal à choisir une bière. Ouais, j'aurais du mal. On va pouvoir libérer le prisonnier, il n'y a plus personne. Bon, tu vas où? Je ne pourrai jamais assez te remercier. On sait jamais, hein, je vais l'escorter quand même. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Parfait. Qui patient porteur de la couronne, hein. Le dirigeant s'est isolé de la ville, les gardes du corps du dirigeant vont l'abandonner. Ah, ça c'est intéressant, mais je suppose qu'il faut que que j'affaiblisse encore son... règne encore un petit peu. Bon, j'ai exploré les trois lieux. Ce que je vais pouvoir faire, bah, avant de se laisser, c'est quoi ça? La traque d'Hyrcanos. Ah ouais, c'est à lui qu'il fallait que je lui dise à quelqu'un que j'avais tué Hyrcanos. Donc là, on va pouvoir terminer deux quêtes. Donc il va falloir que j'aille voir Odessa et il va falloir que j'aille voir Dolios. Donc Dolios, grosse quantité de points d'expérience et grosse quantité de points d'expérience aussi, et un objet bleu. C'est quoi le plus fort, le doré ou le violet? Parce que violet, il me semblait que c'était légendaire. Généralement, un objet légendaire, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un niveau encore meilleur, quoi. Plus ambrée, blonde, brune. Bah un peu tout en fait, ça dépend. Il y a des. Comment dire, il y a des brunes que j'aime, des brunes que j'aime pas du tout. Il y a des blondes que j'aime, des blondes que j'aime pas du tout. Mais. Bah en fait, il n'y a pas vraiment de truc proéminent, si j'ose dire. Tu vois. Merde, du coup, il est où le nord? Oh non! Oh ben, allez, tout droit. Sinon, les pelles fortes, j'aime bien. Après, j'avoue que tout ce qui est fausse bière, genre bière aromatisée... Hop là. Genre DSP, Cubanisto et compagnie... Je sais conscient que c'est de la fausse bière, mais bon, j'aime bien quand même. Aïe. Légendaire, c'est doré. Ah, merde, pardon. D'accord. Le
Violet, c'est épique. Du coup, épique est plus bas que doré, on est d'accord. Épique est plus bas que légendaire. Violet, c'est épique. Bleu, rare. Ok, ouais. Donc là, on passe devant Megara, mais on n'a pas envie d'y aller parce qu'en plus, Megara fait bugger la console. Putain, on se souvient. Vous vous souvenez de. Quoi ? Ah. Vous vous souvenez de la semaine dernière quand même ? Comment le live s'est arrêté ? Bon, alors, qu'une chose soit claire, vous me faites pas peur. J'ai mené des combats plus difficiles que vous. Hein. En plus, vous laissez tuer, c'est magnifique. On va pouvoir récupérer du cuir. Cuir, cuir, moustache. J'ai entendu le mot bière entre deux parties de Tetris, mon oreille. Mon oreille a frétillé. Alors, Mother, je sais que c'est l'ambré qu'elle préfère. Mais par contre, quel ambré, ça, je sais pas. Bon, je crois qu'elle est par là, Odessa, non? Elle va être dans le coin. Ah non, attends, là c'est déjà Megara, donc non, je pense qu'elle va être un peu plus loin. Ah merde. Oh, bonjour, je suis à 30 mètres du mec que je dois assassiner. Ah, voilà la mission. Toutes les ombrées. Sans distinction. En soi, pour épique, tu peux avoir deux gravures légendaires ou une seule gravure, mais meilleure. D'accord. Intéressant à savoir. C'est pourtant qu'elle a engagé. Attends, je suis où là? Parce que c'est quoi ce symbole là? Wesh. La fruit défendue. Intéressant comme nom. Quoi? Il y a des trucs là de marqués. Je sais pas, il y a une icône bizarre. Bref. Bonjour Odessa. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Prenons d'abord un peu de bon temps. On va pas voir ça en stream. D'accord. Sans plus, j'ai pas envie de draguer Odessa. Parfait. Et pour quelle raison ? L'une d'elles est la richesse de ta famille, l'autre est liée à un mariage arrangé. Il y a maintenant de quoi prouver que je suis la victime. Pourquoi as-tu engagé d'autres mercenaires, tiens? Tu as engagé d'autres mercenaires? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout? Comment est mort l'un de tes prétendants? L'homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. A probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. J'aime bien ce « e » en début de phrase. Il y a tellement de bières avec des noms à la con. La pêcheresse, elle est pas mal. En termes de nom. Et d'ailleurs, elle est pas mal en termes de bière. Mais là aussi, on est sur une bière aromatisée. Et comme nous l'a dit, que la pêcheresse est aromatisée à la pêche. Voilà. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Je choisis quoi? Allez, je vous suis, moi. Parce que j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait la preuve de l'un ou de l'autre, en fait. Si? À moins qu'il faut que vraiment que je me refasse les Phoenix Wright, quand même.
Parce que j'ai... Si jamais il y avait vraiment une preuve là-dedans, c'est que j'ai vraiment ramolli au niveau des jeux d'enquête. Parce que j'ai... Après, elle a l'air... Enfin, franchement, c'est elle qui a l'air d'avoir buté le prétendant, mais est-ce que ça en fait une coupable dans cette histoire-là pour autant ? En fait, vous allez pas m'aider, vous avez parlé que de bière, quoi. Pêcherait, c'est trop bon, mais la pêche Melbouche, c'est encore mieux. Je connais pas celle-là. J'ai choisi « Tu es une victime ». Est-ce que tout le 1, choix numéro 1, c'est « Tu es une victime ». Donc on a deux votes pour la victime. A priori... Bon, je vais peut-être pas faire un Stropole quand même, mais... Pêche Melbouche, il faudra que je la goûte, celle-là. Mais bouche... Comme la bouche, quoi. Ça, c'est une bière que je connais bien, pour le coup, la bouche. Enfin, la bouche ambrée. Qui est très bonne, par contre, c'est vrai qu'elle dépote. Hein. Elle a... La bouche ambrée, elle est quand même à 12 degrés. Mais j'avais couché avec aussi. Ah oui, d'accord. Avec moi, la victime, c'est la bière, vu comment je l'ai descendue. Bon, allez, je vais répondre que c'est une victime. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement. La crique, oui. Je n'ai rien fait de mal. Après. Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. La crique, si jamais tu dis j'aime pas du tout la crique, il y a 90-95% de chances que ce soit juste parce que tu veux être un bonhomme, quoi. Parce que sinon, la crique, elle est quand même vachement sympa. Même si c'est une bière aromatisée. Hop, tu vas commencer ton odyssée, tu devrais abandonner. Commençons ce voyage sur ta couche. Ne t'en fais pas, c'est pour bientôt. Je gâche ma vie en restant ici. Il peut se passer beaucoup de choses en peu de temps. Crois-moi. Bon, eh bien... Ceci est terminé. Tu pourrais rejoindre mon équipage ou au revoir. Ah bah tiens, allez. Pourquoi nous dire adieu ? Tu pourrais rejoindre mon équipage. Eh bien... La Farou connaît pas celle-là. Et ce serait agréable de partir d'ici. Excellente nouvelle. Et ton père ? Il se sent beaucoup mieux. Grâce à toi. Tu n'as pas peur ? On s'attaque à lui. Vous n'avez pas le son en double, au moins, des dialogues. Parce que la télé a un tout petit volume, pour pas que ce soit enregistré par le micro. Magnifique micro. Arrivé tout frais aujourd'hui. Pas de son en double, ok, parfait. Bon, on va se laisser dans peu de temps. Juste, ce que j'ai envie de faire, c'est aller terminer l'autre quête que j'ai faite. Typiquement, celle-ci, donc, la traque d'Hyrcanos. Et ensuite, on pourra démarrer sur autre chose. Je pense que directement, dès le début du live la semaine prochaine, on pourra se faire les monts... vous dites comment, vous, Géraneia ou Géraneia? Parce qu'après, vu que c'est quand même du grec, je sais pas. Bon, on voit que... C'est qui, là? C'est... Oh, mais je peux le battre, lui! Il est niveau 7, c'est mignon! Ah, mais vas-y, je vais me le faire. Sérieusement. Niveau 7... Ce serait peut-être temps de s'en inquiéter, oui, c'est vrai. Si on l'avait en double, on l'aurait dit. Je crois qu'il y a certains moments où vous aviez pas de son de jeu du tout et vous le disiez pas. Hein. C'est déjà arrivé, cette histoire. C'est vrai, je connais tous les noms de bière. Mais le contraire m'aurait étonné. Attends. Bretonno-allemande, c'est toi-même qui l'as dit. Hein.
J'ai l'impression que je vais absolument pas dans la bonne direction. Je ressors la carte. Non mais y a pas de souci, Idol. Tu parles quand tu veux. Si jamais tu mets le live en bruit de fond, c'est comme tu veux. By the way, Cric égale best. J'aime que la Cric de toute façon. Oh, franchement, il y a certaines autres bières aromatisées. Ne raye pas les autres tout de suite. Bah, la pêche reste typiquement. Ou la pêche mêle bouche apparemment, mais celle-là je la connais pas. T'es un mec bien toi. C'est bien, j'ai un... J'allais dire... J'ai un... Une communauté qui fait un peu penser aux alcooliques anonymes. Mais du coup, j'ai envie de dire... On a un petit peu la commu qu'on mérite. J'ai une commu à mon image. La petite femme adore ça aussi. La crique. Je reconsulte la carte, sait-on jamais. Et deux consommateurs de binouze. Eh ouais, moi je suis seul consommateur de binouze. Hop. Même quand Yanush est là, Yanush n'est pas plus bière que ça. Yanush, c'est simple, ça va être le Ricard et les Spritz. Grosso modo, bon, il peut boire plein d'autres choses, hein, ça c'est pas ça le souci, mais... Mais généralement, 95% du temps, si tu le vois avec de l'alcool dans les mains, c'est ça. C'est mignon. Hop. Et il fait des cabrioles aussi, c'est adorable. Hop, aïe. Oh, tu fais pas très fort, dis donc. Aïe. Bon, le feu là. Merci. Hop. Voilà. Tué 10 mercenaires. Ah non, 4. J'en ai tué que 4 pour l'instant. Le Ricard, au secours! Je suis pas très fan de Ricard. Enfin, je suis pas très fan d'Anis en général. Perso. Bonjour, je suis Ricard, j'aime la bière, mais je le vis bien. Nice to meet you. C'est ça. Un bon petit rouge avec le fromage, rien de tel. Oui. Oui, c'est... Enfin, rien de tel. Je sais pas, parce que c'est vrai que... Alors j'ai beau avoir du sang bordelais dans les veines, à 100% d'ailleurs, mais le rouge, ça dépend vraiment duquel, quoi. Ah ben ça doit être ça, en fait. J'ai du sang bordelais, donc je suis très difficile en matière de rouge. Ça doit être ça, en fait. Je suis un vrai bordelais, c'est tout. Ah, il n'y avait pas de point de téléportation ici. Est-ce que je vais dans la bonne direction déjà? Je ne dirai rien sur le fait que tu n'aimes pas l'anis, je ne ferai pas cette blague. Non, évite. Merci. Je t'en saurai gré. Le Bordeaux, c'est dégueulasse. Hey! Mais qu'est-ce que vous dites? J'aime bien comment il y a quelqu'un qui a fait... Bon, non, je ne ferai pas cette blague. Et finalement, bon, bah, ça a suffi pour que quelqu'un d'autre la fasse. Donc, caresser ça pour descendre d'un truc. Non.
Non, je n'arrive pas à descendre avec carré. Je vois pas de masse de vin. Cette blague va rester dans les annales. Bien joué. Attends. Je récupère quand même. La bande à Picsou. C'est dommage, on peut pas faire la blague avec. Enfin, on peut pas chanter le générique en remplaçant par la bande à Cassandra. Oh, douillette. Oh, douillette. J'aime pas l'alcool, donc je peux pas suivre cette conversation. Même le champagne pendant le réveillon. Aida. Le bouton de droite, j'ai une magnétique. Ah oui. Donc c'est le bouton B pour toi, c'est ça. Et c'est bizarre, j'avais essayé le rond du coup sur la manette PS4, enfin PlayStation de base. Et j'avais testé, mais j'ai pas testé assez bien, a priori. Donc. Même le champagne. Ah ouais. J'en prends un fond, genre un tout petit et c'est tout, ouais, pour faire juste trinquer quoi. D'accord. J'ai un pote qui boit pas d'alcool, il aime pas du tout. Mais tu sais que jusqu'à il y a 6 ans, 6-7 ans, je buvais pas une goutte d'alcool. Parce que j'aimais pas ça et finalement, bon, bah, c'est con, mais une soirée entre étudiants, je me suis dit, je vais m'intégrer, je vais goûter des trucs que je connais pas et je suis tombé sur des trucs que j'aimais bien et ça m'a ouvert un pan de... Ça a ouvert la boîte de Pandore en fait, tu vois. L'alcool, ça m'endort dès le premier verre. Ah oui. Le champagne, ça donne des gaz. Oui, 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 oui. Bon, après, pas plus que le coca et compagnie, je trouve, mais... Mais bon. Oui, le B pour moi. Oui, alors tu sais que moi, j'ai vraiment un mal fou avec les manettes Xbox. Hein. Attends, mais je vais où, là? En plus, il est déjà 22h43. Il va être temps quand même que j'arrête ce live. Je vais foncer voir monsieur pour lui dire « Ah, j'ai battu le mercenaire que tu voulais que je batte. » Et puis comme ça, on va pouvoir arrêter. Et éventuellement, pour ceux qui seront là, aller sur le chat zombie, ensuite sur le Discord. Donc je rappelle, il s'agit... C'est quoi ça? D'accord. Oh, pierre précieuse. Donc oui, je rappelle le chat zombie, donc le chat vocal d'après live sur le groupe Discord. Le lien est en description si jamais vous venez de débarquer. Je détestais ça aussi avant. Donc ça reste la boîte de Pandore que t'as ouvert. Ouf, si tu savais. Voilà, merci d'être passé. Ah oui, mais du coup, moi, je me suis tourné et je sais plus dans quel sens je suis. La découverte de l'alcoolisme, c'est un peu ça, ouais, comme histoire. Un jour, j'ai volé à mon ancien boss une... taille de pommerie à 400... Ah, ouais! Ah, ouais! Mais alors, du coup, est-ce qu'il était bon? C'est ça la grande question généralement quand tu prends des bouteilles chères. Ton cheval pourrait... Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il existe ce con. On note quand même que le cheval a traversé la mer, hein, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis Kefalonia. Je dis ça... D'abord Docteur Wu, et si vous y êtes encore, je vous rejoindrai. Ok, ça marche. En définitive... Je l'ai pas pris pour une grande distance. Hein. Oh, douillette. Voilà.
La veille de fin de contrat, il y a pas mal d'années, j'en sais rien, je l'ai offerte à ma belle famille. Ils étaient contents, tu m'étonnes. Spark te remercie. Et Marek, ouais, quand même. Nous n'avons pas conclu de contrat. C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure. Oh, le salopard. Sache que Spark t'est reconnaissante. Parfait. Oh, le chien. Ah, oh, putain, j'ai encore un mec qui me traque. Attends, j'ai pas profité de mon niveau supérieur. Je suis niveau 10 maintenant. C'est un cap. Moi, c'est le patron de ma mère qui lui avait offert une bouteille de Dom Pérignon à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques temps. En même temps. Niveau 9, je vais me le faire et ensuite... Je sais, ça fait depuis un moment que je dis des trucs comme ça. On se fait lui et puis on arrête. Voilà. Non, parce que là, en fait, le temps que je dise au revoir et tout ça, il risque de m'attaquer. Donc, autant prendre les devants. Regardez, en plus, je crois qu'il a l'air de courir vers moi, le mec. Ah non, en fait, il me fuit. Alors, tu es nul. L'Athènes ou je sais pas quoi, tu es vraiment nul. Tu me traques, mais tu cours dans la direction opposée. Mais je suis là! L'ivrogne chanceux. Oh, si c'est un ivrogne, ça devrait être simple. Aïe. Vas-y, mais il m'attaquait alors qu'il me tournait le dos. T'es sérieux? Aïe, aïe, aïe. Bon, par contre, la caméra, merci. Aïe. Putain de lance. Oh, bravo. Ah merde, mince, zut, aïe. Oh non, ça c'est dommage. Ah, ah merde, mince. Katen qui est mignon, qui se corrige après avoir dit des gros mots, tu sais. Ah, tac, voilà. Parfait. Tac, tac. Aïe, 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 non. Aïe, 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 aïe. Bon, il va faire aïe avant moi, j'espère, quand même. Parfait. Faisait 4 litres, je raconte pas le poids. Ah ouais. Confirmer l'assassinat. Je te le confirme, y a pas de souci. Ah, brassard de Thésée. Ça a pas l'air mal du tout, ce truc. Faudra à l'occasion que je fasse des gravures aussi sur mes armes. Hein. Mais ça coûte de l'argent et bon, des armes, j'en change tous les 4 matins aussi. C'est dommage. Par contre, les brassards, je crois que je risque de les garder un moment. Brillant. D'accord, j'ai obtenu le trophée brillant, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça fait un truc supplémentaire. Bon. Je crois que j'ai une arme niveau 10, mais est-ce que... Ah non, même pas. Je vais garder ça. Bon, c'est quoi? Ah oui, la massue lourde. Est-ce que j'ai un arc plus indiqué? Non. Je pense qu'on va pouvoir rester comme ça. Ah, c'est celui-ci que j'avais pas encore vu. Voilà. Au niveau des aptitudes, j'ai 2 points d'aptitude. Qu'est-ce que je peux faire? Révélation. Maintenez un pour révéler des secrets. Ouais, non, faut que je progresse dans l'histoire. Ah, je peux faire ces trucs-là. Ah, mais oui, j'ai atteint le niveau 10, j'ai la ligne supérieure. Ça, je vais faire la semaine prochaine.
Je vais faire la semaine prochaine, parce que sinon, ça va prendre du temps pour vraiment tout choisir. L'ivrogne durant une conversation sur l'alcool, c'est vrai que ça tombait bien, tu vois. Navire. Ah bah oui, bah navire du coup. Améliorer la coque pour engager plus de lieutenants. Oh. Ah oui, parce que là du coup, j'ai envie de dire, je vais prendre des ça, hein. Elle est mieux. Et au niveau des mercenaires, il reste qui du premier palier là? Il reste plus grand monde. Et ça, c'est l'échelon 8. Ouais, c'est ça. Là, je les ai tous battus, eux. Il ne reste plus que lui. C'est vraiment le premier. Donc, il doit vraiment être de bas, mais vraiment de bas, bas niveau. Là, là, là. Oh putain, j'en ai découvert un de Sophia la Maudite, niveau 14. Sophia la Maudite, putain, t'as vu les bras de Sophia la Maudite, quoi. Ah, et moi je suis là. Ouais. Elle, on l'a vu. N'empêche, Monia, la tueuse de Hoplite, elle est niveau 10, alors que Barbe Rouge, là, il était niveau 11 quand même. C'est pas vraiment régi par les niveaux. Bref, on va se laisser là, je sauvegarde. Je suis heureux. C'est quoi ce casque? On dirait un casque de chantier, mais pas jaune. Bref. Sauvegarde, j'ai dit. Si jamais vous avez moyen de me faire penser la semaine prochaine à me mettre directement dans les aptitudes, je vous serai très reconnaissant. Sophia, elle doit avoir une voix plus grosse que la tienne. Grave. Jusqu'où je peux descendre dans les graves? À peu près par là. Là, je crois que je suis au max. Oh. Cette voix de catacombe. Écraser sa sauvegarde, oui. Donc, ouais, je disais, je suis content, ça n'a pas bugué une seule fois. Enfin, ça n'a pas planté comme la semaine dernière. Voilà. Du coup, on se laisse ici. À tout à l'heure pour ceux qui seront sur le chat zombie. À plus tard pour les autres. Typiquement, bon, il y a bien sûr le live de demain. C'est sur Fantasy Life. Et après, il y aura encore un live samedi sur Resident Evil HD Remaster. Il faut que je termine ce jeu en mode normal. Ah, c'est dur. En moins de 3 heures, pardon. Oui, parce que sinon, mode normal, je l'ai fait en mode survivant, donc ça va, ça je maîtrise. Mais par contre, en moins de 3 heures, c'est chaud. Donc merci beaucoup à vous pour ce stream, d'avoir fait vivre le chat. Merci beaucoup Macuso, bien sûr, pour son gros don. Merci à tous pour votre présence, d'avoir fait vivre le chat. Je le redis, je me répète, mais c'est ça qui me plaît dans les streams. Surtout en ce moment où vous êtes quand même pas mal nombreux. Ça fait très plaisir. A tout à l'heure, moi le docteur m'appelle. Ah ben, ciao, de toute façon, c'est fini. Donc tu auras pas grand chose. J'avoue, j'ai risqué de me dire un casse de chantier. Excuse-moi, mais c'est carrément ça. Bah, d'ailleurs, tu me vois ici. Bon, mis à part la tenue. Enfin, je veux dire, la casse de chantier, la tenue de bimbo et la tenue Grèce antique. Ça, je suis d'accord. Bref. On la reverra demain, la semaine prochaine, vous en faites pas. Allez, du coup, moi, je vous dis à plus. Et voilà. Ciao.